Hey, salut, c'est Thiab et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais juste baisser le son, s'il veut bien. Parce que là, j'ai des problèmes avec ma manette de télé. Alors, j'ai de la misère à baisser le son. Alors, des fois, le son va être bien fort et je peux rien faire. Alors, on va continuer notre aventure. Et après, je vais rentrer un cheat code. Pour ceux qui connaissent pas les cheat codes avant... Avant, maintenant, là, c'est facile à les rentrer. Là. Vous allez dans un menu, ou vous les débloquez, ou vous les rentrez manuellement. Mais sur les vieux jeux comme ça, ah, oh, si bon que c'était compliqué, mais ah, oh, c'était drôle ici. Alors, on va faire lui qui est en bas, comme ça, je n'aurai pas trop à me déplacer pour faire l'autre après. Alors, Engine Lab. Comme ça va être comme d'habitude, une petite vidéo de 15 minutes. Ça veut dire 3 courses. Après, c'est une course, le boss. Et comme on est à la fin, d'après moi, on aura peut-être le droit à deux boss. Mais si c'est le cas, je vais juste faire deux vidéos de toute manière à soir. Là. Il est 9h. De toute manière, je risque d'acheter un autre jeu de PS1. Alors, Engine Lab, c'est un niveau que j'ai fait. Pardon, j'ai failli tomber. Habituellement, je tombe jamais. Ça paraît que j'ai pas le bon personnage. En tout cas, le cheat que je veux rentrer, c'est un cheat pour augmenter la vitesse de mon moteur. Et on va comprendre tout de suite pourquoi je veux ce cheat-là. Ah oui, en passant, je peux écraser mes participants si j'utilise le boost vraiment à côté d'eux. Trop. Attention. Toi, je te jure, Coco. Ok, non, il est vraiment pas maniable celui-là. Comme vous avez vu, j'ai pogné un boost et j'ai repoussé l'autre à cause du bouclier d'invincibilité que j'ai. Ah, l'horloge. L'horloge, c'est vraiment l'item le plus cheat ever. Vous croyez que l'éclair dans Mario Kart, c'est quelque chose? C'est rien. L'horloge, elle vous fuck littéralement vos contrôles. Vous pouvez pas accélérer. Vous restez à une vitesse plus basse. Voilà! Vous comprenez maintenant pourquoi je veux augmenter la vitesse de mon moteur. Vous voyez, à la vitesse que... Coco m'a dépassé. Et on roule à la même vitesse, là. C'est pas parce qu'elle a un véhicule plus puissant, là. On a le même aspect de véhicule. Dégage. Je connais les parcours des ordinateurs. Il faut que j'appuie sur carré. Alors franchement là, ce let's play est presque fini, à moins que vous voulez que je fasse les bonus et tout ça, mais sinon pour moi ça va être fini parce que battre les deux derniers boss, le dernier boss du jeu, il est assez complexe franchement. Alors comme vous voyez, j'ai quand même une bonne avance sur eux si vous regardez à la petite carte. Je suis le point qui brille et le plus gros. Et le point bleu, ben c'est... comment il s'appelle? Je pense que c'est Puba. En tout cas, c'est un nom assez dur à prononcer pour moi. Bon, on va checker. Ou c'est Tiger, tout simplement. Et je t'arrête de me casser la tête. Je pense que je t'arrête de me casser la tête pour rien. J'irai voir plus tard. Le cheat code que je veux rentrer, comme je vous l'ai dit, c'est pour augmenter mon moteur. Mais quand je vais le rentrer, je vais vous le dire. On va retourner sur le menu principal. Allez, une autre victoire! Hey, je pense que je peux compter mes défaites sur ma paume de la main. Mais pas sûr. Juste pour vous donner une idée, le cheat code que je veux rentrer, ça fait Oba. Non, je plaisante, je vous le donnerai pas. Je vais vous le dire quand je vais le rentrer parce que sinon... Et je l'ai pas activé encore. J'aurais pu l'activer et pas vous le dire, mais... J'aime pas le cheat. Bon, certes, j'ai cheat pour avoir tous mes personnages, mais sinon, pour toutes les avoir, là, pour les avoir 100%, il faut...
En tout cas, pour tout avoir les personnages, il faut que je fasse des défis. Et les défis sont assez chiants, merci. Juste pour vous donner une idée, pour avoir les boss, il faut que vous fassiez tous les niveaux ici. Vous ramassez, vous voyez la petite pièce qui est là? Bon, ben, il faut que je la ramasse, que j'aille faire le niveau approprié avec les pièces, qui est un niveau assez complexe. Et à partir de ce niveau-là, je peux débloquer le boss. Alors, c'est assez complexe. Ah oui, il existe beaucoup de cheats, hein. Il y en a même un, c'est pour un démo. Un démo d'un jeu qui est sorti. Qui allait sortir à l'époque en même temps que lui. Et au final, ben, je sais pas s'il est sorti. D'après moi, oui, là, parce que j'ai joué quand même à beaucoup de... Ah oui, en passant, j'ai fait... je me suis quand même légèrement entraîné. J'ai fait des tournois. Parce que là-dedans, il y a des tournois que vous pouvez faire pour débloquer des items plus tard dans le jeu. Alors là, je me pogne l'araignée, même pas. Oh, génial. Je suis en 6ème position. C'est le château. Une map que j'aime pas pantoute. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, elle est tellement... il y a un raccourci. C'est pas qu'il n'y a pas de raccourci. Mais le raccourci, il est imposable à avoir si on n'a pas de crash ou un personnage que sa vitesse quasiment au maximum. Avec Crash, je l'ai en permanence. Avec Tiny, je peux pas l'avoir, à moins d'avoir un boost ou un masque. Comme vous voyez, hein, je suis pas habitué hein, de jouer. J'ai quand même pas perdu la main, c'est déjà ça. Non, parce qu'il y en a qui arrêtent de jouer à un jeu et hop, ils oublient tout. Je vais peut-être partir aussi une petite série sur un nouveau jeu que je vais m'acheter dès que je vais avoir un petit peu d'argent. En fait, j'essaie d'économiser pour m'acheter un autre jeu. Sur PS3, mais bon, si je mets un 20$ dessus, ben, ça pourrait être pratique. Hey, donc franchement, là, Tiny, là, c'est vraiment le pire dans ce niveau. Et le pire, c'est que j'ai déjà réussi à finir l'histoire une fois avec. Cortex, dégage. Faut que je sois plus fort qu'eux. Oh merde, j'ai pas hâte de voir. Oh shit. C'est vrai, merde. Il me manque encore une course à faire. Une course bien complète. J'ai pas hâte de la voir. Là, je l'ai pogné. Mais c'est pas grave. J'ai du boost. On était pas en... Au moins, là, on est le dernier round. Je peux pas me faire avoir, là. Oh, génial. Merci, merci, Cortex. Merci. Ah oui, merde, c'est vrai, je viens juste de me faire... Comme vous voyez, il y a de la... Vous voyez? Ils n'arrivent pas à me faire ça, même pendant les tournois. Et les tournois, c'est 4 maps. Et dans ces 4 maps-là, ben, il faut vous gagner au moins 3 manches à peu près. Pour être capable d'arriver au moins en... dans les premiers. Bon, j'ai perdu, hein. Ok. Bon, j'ai perdu. On recommence. Alors, ça se peut que ce soit deux courses, tout simplement, parce qu'en fait, cette course-là est bien chiante. À partir de maintenant, là, les courses commencent à être dures. Alors, parce que comme je vous dis, en fait, je vais pas utiliser avec ce personnage-là, le cheat. Bon, de toute manière, il se met avec tous les personnages, mais je veux juste pas l'utiliser. Hey, l'ourson, tu fais chier. Ah, c'était pas l'ourson. C'était Crash. Là, là c'est Théoda, qui est mon personnage dans mon autre compte. Qui se manipule très bien. Hein. Mais alors là, bien là. Bien, c'est un grand mot. Parce que franchement, là, je dérape pas. Il m'arrive pas grand chose quand je l'ai. Franchement.
Il y a même une affaire qui... En fait, il y a un cheat qui me permettrait d'avoir... Vous voyez mes pommes? Ben, je pourrais les avoir illimitées. Sauf, comme je vous dis, j'utilise pas les cheats pour vraiment cheater. C'est pour débloquer les trucs qui sont vraiment, vraiment durs à avoir. Comme il y a des pistes qu'on peut pas avoir, les seuls moyens de les avoir, il faut battre certains boss. Pour remplir les conditions pour battre les boss, ben ils sont bien chiants parce qu'il faut finir avant un certain temps. Et ce certain temps-là, ben j'y arrive jamais parce qu'en fait c'est... juste pour vous donner une idée, prenez par exemple la deuxième vidéo que j'ai faite. Dans la deuxième vidéo, j'affronte le chien, comme moi je l'appelle. Et ce chien-là, ben ça a l'air qu'il faut que je le batte en moins de... Je pense c'est 3 minutes, quelque chose dans le genre. Voilà, c'est là le passage secret. Ça c'est bon. Il faut que je garde cette avance-là, il faut que je garde la putain d'avance que j'ai. Pourquoi? Parce qu'en fait mon personnage il est tellement lent que je sais que je vais me faire rattraper assez vite quand même. Voilà, ils arrivent où j'étais il y a quelques secondes. Voilà, surtout pour ça en fait. Parce que je suis obligé de faire un jump, un dérapage dans les airs, comme on dit. C'est un dérapage chiant à faire pour la simple bonne raison, c'est qu'il faut vraiment appuyer sur carré au moment où vous êtes dans les airs pour pouvoir déraper. Regardez mon temps. Je sais pas si vous voyez bien là. J'ai fait 56 secondes à l'autre tour avant. Franchement là, bon, allez on finit ça en dérapage, boum, allez, une minute, ça m'a quand même pris quasiment 3 minutes pour finir ça en première place, plus l'autre avant, alors là on a fait quoi, deux courses, on est à 12 minutes, Tu sais quoi, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Je sais bien que c'est juste deux courses là, mais... Ah, désolé. Si j'ai de la difficulté comme ça pour faire ces niveaux là, imaginez quand je vais être rendu à celui-là, là, c'est le boss. Ah, et ça c'est le terrain du boss. Alors je vais arrêter la vidéo là et on repart la vidéo. Alors sur ce, j'espère que vous appréciez quand même cette série. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup à la regarder. Alors sur ce, je vous dis à plus pour plus de vidéos. C'était Tigard.